Et salut tout le monde, c'est Jean Bloch et on se retrouve pour ce nouvel épisode, le 54e de l'Ultra Hardcore dans la peau. Et comme vous voyez, j'ai 14 morts. Et oui, par rapport à l'épisode précédent, j'ai 8 morts de... Non, attendez, 6 morts de plus. Ouais, j'allais m'ajouter encore plus de morts. Et tout simplement pourquoi? Parce que j'étais farmé dans le Nether pour ce que vous avez vu en timelapse, forcément. Je suis un peu con, hein. Bah alors là, ça commence déjà s'il fait nuit. Oh là là. J'ai été obligé de farmer de la Netherrack. Ouais, c'est ça. Vous savez, la sorte de roche du Nether. Pour pouvoir faire des briques du Nether. Et qu'est-ce que c'est pas... Qu'est-ce que c'est de l'arnaque? Parce que déjà, tu fais une brique du Nether avec une roche du Nether. Mais t'en as 4. Genre 4, t'as juste 4 briques, t'as juste un bloc. Et moi j'avais l'impression que avec la... Faudrait que je teste. Il y en a pas là. On va faire ça, on va tester surtout. Alors, on va se coucher. Ouais, là, c'est... En plus, vous avez vu le timelapse, je suis désolé aussi, j'ai eu quelques cafouillages, bah, surtout que j'ai dû faire des allers-retours à chaque fois, donc, pas très évident, hein. Je dois faire des allers-retours pour que... J'ai juste besoin d'un bloc. Non. Peut-être que j'en aurai besoin d'autres, hein. De toute façon, je sais qu'il y en a là. Je veux juste un bloc. Et le bloc, on va le faire cuire. Encore, je dis un bloc, mais en fait, il me donne 4 trucs. Je vais faire cuire juste une. Donc, il va falloir que je trouve un truc à faire cuire. Ça, par contre. Bonjour. Au revoir. En plus, là, j'ai réinitialisé mon dossier Minecraft. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait des chutes d'FPS. C'était abusé. J'ai quoi faire cuire? Allez, de toute façon, ça c'est gratos. C'est pas comme si j'en avais des masses, hein, non? Voilà, on va en faire cuire juste une. Voilà. On prévoit une deuxième. Oh, t'es sérieux là? Wouah! Putain. Mais je suis con en plus. Oh putain, mais qui t'es con? Sérieux, c'est quoi ce fail? Elle va jamais cuire en fait. Ah si! Ah non, sérieux. Ça commence hyper mal, quoi. Du moins, ça commence. Ouais, bah, c'est. On va dire que c'est une journée catastrophique. Donc, vous voyez. Ah ouais, un bloc. Putain, c'est étonnant. Franchement, c'est pas. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Vous voyez, j'ai une houe. Et puis je vais vous expliquer le pattern un peu de cette serre. Vous avez vu que je l'ai construit en timelapse. Comme je l'avais promis dans le précédent épisode. Et surtout, pour ceux qui se demandent, il y a des trucs qui vont se demander pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a déjà des jack-o'-lanternes. Parce que oui, ça c'est des jack-o'-lanternes avec les. C'est pour faire de l'éclairage. J'ai eu la flemme surtout. Et même si j'ai été farmé comme un dingue, j'ai eu la flemme de faire des. D'aller chercher des. Comment ça s'appelle? Des luminites. Des glowstones si vous préférez. Donc vous voyez, j'ai fait des rangées, tout ça. On va les faire. Il y en a qui vont se dire, mais pourquoi t'as mis l'eau à chaque fois? Bah parce que regardez, vu que j'ai fait des chemins, là, s'il n'y avait pas d'eau, ce serait dommage, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il manquerait de... Et puis, parce que j'aime bien faire comme ça, mettre l'eau. Alors, tout ce qui pousse, en fait, est là-dedans. Sachez une chose, c'est une serre, hein, donc une serre, on fait pousser plein de choses dans une serre. Et là, bah c'est le cas, tout va pousser dans la serre. J'ai même anticipé des futurs
10 futurs trucs pour pousser. Ah, c'est ça que j'ai zappé. Ah oui, j'ai zappé un item. J'ai préparé, vous savez, j'ai préparé tout pour préparer la pousse et tout ça, mais j'ai oublié un seul item. Bah tiens, on va utiliser le petit rail. Voilà, comme ça. Donc, ouais, j'ai utilisé deux comptes. Et il y a des coupures aussi à chaque fois. J'ai essayé... Bon, vous l'avez le résultat, mais moi, je l'ai pas encore. J'ai essayé au mieux de... Je vais parler comme si je voulais... Comme si je l'avais déjà fait. Mais j'ai essayé au mieux de raccorder pour pas voir les coupures, les mauvais raccords. Parce que combien de fois j'ai dû aller... Retourner sur mon plan parce que j'ai fait un plan et c'est là que je suis en train de penser, mais j'aurais peut-être dû en lancer un troisième pour les vérifier sur le troisième plutôt que d'aller déconnecter et tout. Ouais, parce que donc grosso modo, je crois que j'ai eu une heure ou deux rien qu'à travailler sur ce truc entre faire le pattern sur le monde, sur un monde en créatif, entre faire le faire commencer le système en... Voilà, c'est ça qui me manquait. Voilà. Donc là, il y a tout. Tout est là. Il manque juste une patate. Le dégoût total, vous savez, la patate de la haine qui veut pas pousser. Parce que là, j'ai récupéré tout ce qui était là. Et il y a eu 9 patates. Là, il y avait assez de carottes. Mais bon. Alors là, on va retourner. Mais là, c'est sympa parce que, ouais, ça va me permettre pour les animaux d'avoir des cultures. Puis la serre, j'aime bien, je l'ai fait plusieurs fois cette serre. Je l'ai fait sur des maps en multi et j'aime bien le système de serre comme ça. Parce qu'à une époque, moi, c'était plus... On faisait le jardin dans... Comment ça s'appelle? Dans la base. C'était plus simple. Mais là, petite serre et tout ça, je referai peut-être ailleurs. Mais bon. Donc, là on avance. Je sais pas combien dure exactement le timelapse. Mais je vais voir. Déjà, je vais essayer de tout découper, vous savez. De découper tout ce qui est inutile. Parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment inutiles. Et je vais les découper parce que des fois, il y a des trucs où je suis en train de farmer. En fait, je suis en train de faire cuire parce que si je vous montre... Je suis pas sûr qu'il y en a. Mais vous voyez, il y a du verre là, il y a du verre là, il y a du verre là, il y a du verre là. J'étais obligé de farmer comme un dingue. Pour avoir les trucs qu'il me fallait. Donc vous voyez, on va voir ensemble tous les systèmes. On va mettre les pastèques là, à droite. Donc là, ils vont mettre 3 plombs à pousser parce que vous savez que ils ont. J'ai vu ça en appuyant sur F3. Vous voyez, add H 0. Donc vous voyez, ça va prendre du temps pour pousser. C'est pas grave. Vu qu'on est pas mal à côté, que le prochainement, je vais peut-être faire le plafond. Là, on va mettre du moins le plafond de l'étage où il y aura ma chambre et tout. Ou que je ferais les trucs, les portails du... Les trucs là, les pièces, en dessous. Ça va permettre d'avancer. Donc là, regardez, on a fait une rangée pour les citrouilles, rangée pour les pastèques là-bas. Toujours à les opposer, comme ça se colle au mur. Et là, vous voyez, là c'est la terre où va se poser les pastèques et tout ça. J'ai fait un petit système là pour la netherart. La verrue du Nether, si vous préférez, voyez. Deux petits trucs avec un petit passage au milieu. Là, vous allez demander ce que c'est. Mais si vous savez très bien
pourquoi il y a du sable, c'est qu'il va y avoir des cactus là. Ça disait que j'avais fait sur un des derniers serveurs où j'avais joué. J'ai encore la map en plus. Donc c'est pour ça que j'ai réutilisé la map. Donc, vous voyez, on pose les cactus dessus. Bon, là, il n'y en a que 8, malheureusement. Là, vous allez dire, mais pourquoi il y a des petits picots comme ça? Où je vais mettre déjà des torches pour éviter qu'il y ait du spawn dessus, même si ça change pas grand-chose. Bah là, en fait, ça va être des... Le bois de l'acajou. Ça va être des trucs d'acajou, en fait, de 2 de hauteur. Parce que à cause de ça, en fait. De hauteur pour mettre de la fève de cacao dessus. Donc ça va être bien plus intéressant. Je suis obligé encore d'aller dormir, moi. On va essayer de finir ça vite fait. Donc... Ah, il y a un truc que j'ai fait, j'aurais pas dû faire. Là, ça va être le blé. Donc, hop. Vraiment une culture de tout. Là, j'ai... Amuse-toi, tout niqué! Oh, c'est plus ça si tu fais ça. Hein. Voilà. Oui, parce qu'en fait, j'aurais pas dû faire ça. Et je dev... J'aime pas, en fait, mettre ça. Je vais mettre du sable. Et vu que j'ai fait cuire tout le sable qui traînait... Je peux aller me coucher? Non. Bon, bah... Vu que j'ai fait cuire tout le sable qui traînait, bah... Alors, il me faut un. Hop. Mais... Oui, parce que la canne à sucre, elle peut pousser sur de la terre. Mais moi, j'aime bien quand c'est sur le sable. Je sais pas, c'est une lubie. Mais j'aime bien quand c'est sur le sable. Donc, je le fais, quoi. Donc là, ça va vraiment être épisode dédié à tout ça, là. Donc là, on va virer tout ça. Donc vous voyez, j'ai même prévu... Vous avez vu que plus... Rends-moi ma torche, connard. Voilà. Vous avez vu que plus d'une fois, j'ai retravaillé le design. Oui, je me suis loupé dans les mesures. En fait, j'ai noté sur un bout de papier les mesures. Du 17, 17 par 22. Mais moi, j'ai cru que c'était 17 par 22, la structure. Là, c'est-à-dire ça. Tout ça à l'intérieur, sans les murs. Mais alors que c'était 17 avec les murs. J'avais prévu le coup. 17 par 22. Donc, je me suis fait avoir. donc, on a des... On va mettre des patates, là. Malheureusement, les patates, il n'y en a que 9. Je suis déçu. Je me serais attendu à mieux, hein, des patates. Hein. Les carottes. Hop. Voilà. Et bien sûr, j'ai prévu le coup pour les betteraves. Et même si la dernière fois, lors de mon voyage où j'ai été voir les villageois là-bas, bah, j'ai pas eu de betteraves, malheureusement. Donc, je verrai pour essayer de trouver des betteraves. J'essaie de trouver une jungle. J'essaierai de trouver une jungle. J'essaierai de trouver... Tiens, faut que je fasse ça aussi. Un désert. Un désert pour pouvoir prendre du cactus. Le cacao, ça va servir plus en tant que colorant, comme le cactus ou pour des machines. Donc vous voyez, vraiment, c'est vraiment sympa ce petit truc. Hein. Vous pouvez dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ma petite serre. Ouais, il n'y a pas de machine automatisée pour les cultures ou de farm avec des villageois. Faudrait que je trouve un biome savane pour ces portes-là, comme les portes là-bas. Tiens, je vais voir si... Ah, il faut que je les nourrisse là-dedans. Normalement,
Et 4 vaches. Ah ouais, c'est ça, il y a un mouton de trop ici. Il y a 4 lapins. 4 cochons. Le mouton. Voilà. Et c'est là qu'il y avait que 3 moutons. Non. Brave. Donc les poulets, ça va, ils remplissent. Je sais pas si ça évolue. Faudrait que j'attends qu'ils pondent à 9. Bon. C'est pas grave. Alors. Vous voyez. Là, la plantation qui est ici, elle ne sert plus à grand chose. Mais en plus, ça va être plus pour les... Ah ouais, ça, quand tu le casses, ça en donne. Allez. Ah. Et en plus, les jack-o'-lanternes, c'est pour faire de la clarté, quoi. Allez! Ah, saute! Le mec, il essaie de détruire les cultures. Putain, mais quand on le fait pas exprès, ça... Hop. Ok. Ok. tiens, on va en profiter. Je vais vous montrer. De quoi, sur quoi je m'étais inspiré. Tiens, il y a un Enderman. Voilà, ça... Ça, c'est un monde dont Leto a joué avec nous. On était 3-4, je crois, sur le serveur. Et vous voyez, c'était à peu près ça, le design. Sauf que j'avais fait comme ça. Là, je l'ai un peu adapté, vous voyez. Pour les fèves de cacao, vous voyez. C'est ça que j'avais fait. Là, pareil, vous voyez, là, j'en avais mis. Il y en avait quoi? Il y en avait pas 10. Putain, j'entends la sirène alors que la fenêtre est fermée. Donc, vous voyez, il y avait 2 rangées de patates, 2 rangées de carottes, 2 rangées de blé, 2 rangées de canne à sucre, une rangée pour le truc. Mais là, ça fait 20. Moi, c'est du 10. Et vous voyez, j'avais mis une porte comme ça. Donc, si un jour, je voulais que je fasse un petit tour de cette map-là, dites-le dans les commentaires. Ça sera sympa. Hop, on va recharger... Ah oui, vous avez vu, j'ai tellement de trucs, là. Ok. J'ai pensé qu'en quittant, ça allait... J'ai pensé qu'en quittant, ça allait tout niquer, mais bon, non. Y a pas besoin de lumière ici. Peut-être que je ferai un petit stand de pêche, là. On terraforme un peu ici. Je verrai. Ou ailleurs. J'ai voulu mettre 2 trucs pour faire cuire plus vite, mais en fait, je me suis rendu compte. Bon, toi, tu rentres là-dedans. Donc, je pense que on se fera une petite expédition. Ouais, il y a 2 musiques. Je sais pas pourquoi. Voilà, j'essaie de... Voilà. Je sais pas pourquoi Minecraft fait 2 musiques. Alors que j'en ai qu'un seul de lancer, hein. Voilà, j'essaye de relancer. Mais un peu de temps à charger celui-là. Ouais, mais il me lance toujours 2 musiques. Donc, on fera une expédition pour trouver... Ce sera une belle expédition pour trouver le biome savane. Un désert pour récupérer du cactus. Et surtout, un village pour trouver la betterave. Et puis surtout, une jungle pour trouver du cacao et de la cajou. Ouais, c'est ça, de la cajou. L'acacia, c'est dans la savane. Bref. Ça va falloir que je le vire. Parce que là, vous voyez, il met des résidus. Alors, il y en a qui se demanderont pourquoi t'as mis des carpettes au-dessus. Ce que je sais pas, vous me le direz dans les commentaires. Mais je sais pas si les monstres spawnent dessus, sur les citrouilles. Donc,
J'en ai mis au cas où, si ça spawn pas dessus, bon, c'est pas grave. Hein. Mais bon. Deux musiques, c'est casse-couille, Minecraft, sérieux. Voilà. Donc, bon, on a fait le tour. Hein. Je pense que le timelapse, je sais pas combien il va durer, mais il durera le temps qu'il durera. Est-ce que je peux faire ça? Non, aucun skill. Donc ouais, je suis mort, je sais pas combien de fois, tout ça pour de la putain de brique du Nether, quoi. Bref, j'espère que le petit timelapse et cette vidéo en général vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir à vous abonner à la chaîne si vous venez de la découvrir grâce à cette vidéo. Je vous invite aussi à regarder les précédents épisodes de l'Ultra Hardcore dans la peau qui sont dans la description avec le lien pour la playlist. Et surtout, un lien dans le petit i que vous voyez en haut à droite. Donc je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode de l'Ultra Hardcore de la peau. Ciao, bye bye.